Alors voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, nous vient des Hindous, des Chinois. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil Second Empire? Allez, moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Bah, ça n'a pas d'importance. Après tout, je vivais au milieu de meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger de Philippe, ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon Second Empire, c'est pas mal non plus. Ah bon? Bon, 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 bon. Tout de même, je ne saurais pas douter. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire à ces âneries? Car enfin, des personnes qui sont jamais venues ici, car enfin, si elles y étaient venues... Oui. Où sont les pales? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Ah. Ah bon? Non, je ne voulais pas rire. Pas de glace? Pas de fenêtre, naturellement? Rien de fragile? Mais pourquoi m'a-t-on ôté ma brosse à dents? Ah, et voilà. Et voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Ah, je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous... Excusez-moi, mais... Que voulez-vous? Tous les clients posent la même question, ils s'amènent, où sont les pales? Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés... Voilà la brosse à dents. Mais enfin, pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas un petit peu réfléchir? Car enfin, je vous le demande, pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans une glace? Ah, tandis que le bronze, ah, la bonne heure! J'imagine qu'il y a de certains moments où je me regarderai de tous mes yeux. De tous mes yeux, hein. Alors, allons, il n'y a rien à cacher. Je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Le type suffoque, il s'enfonce, il se noie. Seul son regard reste hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Ah ah, quel cauchemar! Alors, on vous a sans doute défendu de me répondre. N'insiste pas. Mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Et ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc pas de brosse à dents. Et pas de lit non plus, parce qu'on ne dort jamais, bien entendu. Non. Ah, je l'aurais parié. Et pourquoi dormirait-on? Le sommeil vous prend derrière les oreilles. Vous sentez vos yeux qui se ferment. Mais pourquoi dormir? Vous allongez sur le canapé et pff, le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever, et tout recommence. Que vous êtes romanesque. Taisez-vous! Je ne crierai pas, je ne gémirai pas. Mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque. Alors c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil? Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Parfait, attendez, attendez. Pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis! C'est la vie sans coupure! Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi, mais... J'en étais sûr! Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insupportable de votre regard! Mais ma parole, elles sont atrophiées! Mais de quoi parlez-vous? Vos paupières! Nous, nous battions des paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir, un rideau qui tombe et qui se relève, et la coupure est faite. L'œil s'humecte et le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'était rafraîchissant.
4000 repos en une heure, 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000, alors je vais vivre sans paupières. Vive. Bah, faites pas l'imbécile, sans paupières ou c'est tout un, je ne dormirai plus. Mais comment vais-je pouvoir me supporter? Essayez de me comprendre. Hein. Faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, voyez-vous. Et j'ai l'habitude de me taquiner. Et je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait les nuits, je dormais. J'avais le sommeil douillet. Par compensation, je me faisais des rêves simples. Il y avait une prairie. Hein. Hein, une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu! C'est ça votre jour. Et dehors? Dehors? Ben dehors, de l'autre côté de ces murs. Il y a un couloir. Et au bout de ce couloir? D'autres chambres et d'autres couloirs. Et puis? Et puis un escalier. Vous avez bien le jour de sortie. Où allez-vous? Au troisième étage, chez mon oncle, il est chef des garçons. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors on ne peut pas éteindre? La direction peut couper le courant, mais je me souviens pas qu'elle l'ait fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien. Mmh. Alors il faut vivre les yeux ouverts. Vivre? Ah! Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire? Les yeux ouverts pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce qu'elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Ah, vous avez raison, il est trop lourd. Bon, eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez? Au revoir. Attendez. C'est une sonnette, là? Oui. Je peux sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir? En principe, oui. Mais ne vous y fiez pas, elle est capricieuse. Il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche? Oh, elle marche. Oh. Vous y fiez pas? Ça ne va pas durer. Allez, à votre service. Je... Non, rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez là, le papier? Il y a des livres ici? Non. Mais à quoi sert-il? Ah, c'est bon, allez-vous-en. Garçon! 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 Vous m'avez appelé? Non. Madame, vous êtes chez vous ici. Si vous avez des questions à me poser.
D'ordinaire, les gens aiment à se renseigner. Bon, eh bien, je n'insiste pas. D'ailleurs, concernant le bronze de Barbedienne, la brosse à dents et le coupe-papier, monsieur est au courant et il vous répondra aussi bien que moi. Où est Florence? Je vous demande où est Florence. Je n'en sais rien. C'est tout ce que vous avez trouvé? La torture par l'absence? Bien, c'est raté. Florence était une petite sotte. Je ne la regrette pas. Je vous demande pardon, mais pour qui me prenez-vous? Vous? Vous êtes le bourreau? Ah, c'est une méprise tout à fait amusante. Le bourreau, vraiment. Vous êtes entré, vous m'avez regardé, vous avez pensé... C'est le bourreau. Quelle extravagance. Le garçon est ridicule. Il aurait dû nous présenter l'un à l'autre. Le bourreau. Joseph Garcin, publiciste et homme de lettres. La vérité, c'est que nous sommes logés à la même enseigne. Madame? Inès Serrano, mademoiselle. Très bien, parfait. Eh bien, la glace est rompue. Ainsi, vous me trouvez la mine d'un bourreau. Et à quoi reconnaît-on les bourreaux, s'il vous plaît? Ils ont l'air d'avoir peur. Peur? Et de qui? De leur victime? Allez, je sais ce que je dis. Je me suis regardée dans la glace. Dans la glace? Mais c'est à ce moment qu'ils ont ôté tout ce qui pouvait ressembler à une glace. En tout cas, je puis vous affirmer que je n'ai pas peur. Oh, je ne prends pas ma situation à la légère et je suis très conscient de sa gravité. Et je n'ai pas peur. Ça vous regarde. Est-ce qu'il vous arrive d'aller faire un petit tour dehors de temps en temps? La porte est verrouillée. Tant pis. Je comprends très bien que ma présence vous importune. Et personnellement, je préférerais rester seul. Il faut que je mette ma vie en ordre et j'ai besoin de me recueillir. Mais je suis sûr que nous pourrons nous accommoder l'un à l'autre. Je ne parle pas, je ne remue guère et je fais peu de bruit. Toutefois, si je peux me permettre un conseil, il faudra conserver entre nous une extrême politesse. Ça sera notre meilleure défense. Je ne suis pas poli. Je serai donc pour deux. Votre bouche? Plaît-il? Vous pourriez pas arrêter votre bouche? Elle tourne comme une toupie sous votre nez. Je vous prie de m'excuser, mais je ne m'en rendais pas compte. C'est ce que je vous reproche. Encore? Vous prétendez être poli et vous laissez votre visage à l'abandon? Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez pas le droit de m'infliger le spectacle de votre peur. Vous n'avez pas peur, vous? À quoi bon? La peur, c'était bon avant, quand nous gardions de l'espoir. Il n'y a plus d'espoir, mais nous sommes encore avant. Nous n'avons pas commencé à souffrir, mademoiselle. Je sais. Alors, qu'est-ce qui va venir? Je ne sais pas. J'attends.
Non, non. Ne relève pas la tête. Je sais ce que tu caches avec tes mains. Je sais que tu n'as plus de visage. Ah ? Mais je ne vous connais pas. Je ne suis pas le bourreau, madame. Oh, je ne vous prenais pas pour le bourreau. J'ai cru que quelqu'un voulait me faire une farce. Qui attendez-vous encore ? Il ne viendra plus personne. Ah ! Alors nous allons rester tout seuls, monsieur, madame et moi. Il n'y a pas de quoi rire. Oh, mais ces canapés sont si laids. Et voyez comment on les a disposés. Il me semble que c'est le premier de l'an et que je suis en visite chez ma tante Marie. Chacun a le sien, je suppose. Celui-ci est pour moi. Mais c'est une catastrophe. Mais je ne pourrai jamais m'asseoir dessus. Je suis en bleu clair et il est vert épinard. Voulez-vous le mien ? Le canapé Bordeaux. Vous êtes très gentil, mais ça ne vaudrait guère mieux. Non, qu'est-ce que vous voulez ? Chacun son lot. J'ai le vert, je le garde. Le seul qui conviendrait, à la rigueur, c'est celui de monsieur. Vous entendez, garçon ? Le canapé ? Oh, pardon. Il est à vous, madame. Merci. Faisons connaissance, puisque nous devons habiter ensemble. Je suis Estelle Rigaud. Inès Serrano, je suis très heureuse. Joseph Garcin. Avez-vous encore besoin de moi ? Non, allez. Je vous sonnerai. Vous êtes très belle. Je voudrais avoir des fleurs pour vous souhaiter la bienvenue. Des fleurs. J'aimais beaucoup les fleurs. Elle se fanera ici. C'est trop chaud. Bah, l'essentiel, n'est-ce pas, c'est de conserver la bonne humeur. Vous êtes... Oui, la semaine dernière. Et vous ? Moi ? Hier ? La cérémonie n'est pas achevée. Le vent dérange le voile de ma sœur. Elle fait ce qu'elle peut pour pleurer. Allons, allons, un petit effort. Voilà, deux larmes, deux petites larmes qui brillent sous le trait. Olga Jardet est très laide ce matin. Elle soutient ma sœur par le bras. Elle ne pleure pas à cause du rimmel, mais je dois dire qu'à sa place, c'était ma meilleure amie. Vous avez beaucoup souffert ? Non, j'étais plutôt abruti.
non? Mon mari est malade de chagrin. Il est resté à la maison. Et vous? Le gaz. Et vous, monsieur? 12 balles dans la peau. Excusez-moi, je ne suis pas un mort de bonne compagnie. Oh, cher monsieur, si vous vouliez bien ne pas user de mots si crus, c'est choquant. Et finalement, qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être n'avons-nous jamais été aussi vivants. S'il faut absolument nommer cet état de choses, je propose qu'on nous appelle des absents. Ce sera plus correct. Vous êtes absent depuis longtemps? Depuis un mois environ. D'où êtes-vous? De Rio. Moi de Paris. Vous avez encore quelqu'un là-bas? Ma femme. Elle est venue à la caserne, comme tous les jours. On ne l'a pas laissée entrer. Elle regarde à travers les barreaux de la grille. Elle ne sait pas encore que je suis absent. Mais elle s'en doute. Elle s'en va à présent. Elle est toute noire. Tant mieux. Elle n'aura pas besoin de se changer. Elle ne pleure pas. Elle ne pleurait jamais. Il fait un beau soleil. Elle est toute noire dans la rue déserte. Avec ses grands yeux de victime. Ah, elle m'agace. Estelle! Oh, monsieur! Monsieur Garcin! Qu'est-il? Vous êtes assis sur mon canapé. Oh, pardon. Vous aviez l'air si absorbé. Je m'ai même mis en ordre. Ce qui rit ferait aussi bien l'imiter. Elle est en ordre, ma vie. Tout à fait en ordre. Elle s'est mise en ordre d'elle-même là-bas. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Ah, vraiment? Et vous croyez que c'est si simple? Oh, quelle chaleur! Vous permettez? Ah non! Non! J'ai horreur des hommes en bas de chemise. C'est bon. Moi, j'ai passé mes nuits dans les salles de rédaction. Il y faisait toujours une chaleur de cloporte. Il y fait une chaleur de cloporte. C'est la nuit. Tiens. Oui. C'est la nuit. Olga se déshabille. Comme le temps passe vite sur Terre. C'est la nuit. Ils ont mis les scellés sur la porte de ma chambre. La chambre est vide. Ils ont posé leur veston au-dessus de leur chaise et roulé les manches de leur chemise au-dessus de leur coude. Ça sent l'homme et le cigare. J'aimais vivre au milieu d'hommes en bras de chemise. Eh bien, nous n'avons pas les mêmes goûts. Voilà ce que cela prouve. Vous aimez ça, vous, les hommes en bras de chemise? En chemise ou non, je n'aime pas beaucoup les hommes. Mais... pourquoi nous a-t-on réunis? Qu'est-ce que vous dites? Bah, je vous regarde tous les deux. Je suppose que nous allons demeurer ensemble. Je m'attendais à retrouver des amis, de la famille. Un excellent ami avec un trou au milieu de la figure? Celui-là aussi. Il dansait le tango comme un professionnel.
Mais... nous ? Nous ? Pourquoi nous a-t-on réunis ? C'est le hasard. Ils casent les gens où ils peuvent, dans l'ordre de leur arrivée. Pourquoi riez-vous ? Parce que vous m'amusez avec votre hasard. Avez-vous tellement besoin de vous rassurer ? Ils ne laissent rien au hasard. Mais... nous nous sommes peut-être rencontrés autrefois. Jamais. Je ne vous aurais pas oublié. Ou bien... c'est que nous avons des relations communes. Vous connaissez les Dubois-Seymour ? Ça m'étonnerait. Oh, ils reçoivent le monde entier. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien. Ils ont un château en Corrèze. Moi, j'étais employée des postes. Ah. Alors, en effet... Et vous, monsieur Garcin ? Je n'ai jamais quitté Rio. Ah. En ce cas, vous avez parfaitement raison. C'est le hasard qui nous a réunis. Le hasard. Alors ces meubles sont là par hasard ? C'est par hasard si le canapé de droite est vert épinard et si le canapé de gauche est bordeaux. Un hasard, n'est-ce pas ? Eh bien, essayez donc de les changer de place et vous m'en direz des nouvelles. Et le bronze ? C'est un hasard aussi ? Cette chaleur ! Cette chaleur ! Je vous dis qu'ils ont tout réglé, jusque dans les moindres détails, avec amour. Cette chambre nous attendait. Mais comment voulez-vous ? Tout est si laid, si dur, si... anguleux. Je détestais les angles. Ah, et croyez-vous que je vivais dans un salon, Second Empire ? Alors tout est prévu. Tout. Et nous sommes assortis. Ce n'est pas par hasard que vous, vous êtes en face de moi. Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Je ne sais pas. Mais ils attendent. Ah, je ne peux pas supporter que l'on attende quelque chose de moi. Ça me donne tout de suite envie de faire le contraire. Eh bien faites-le, faites-le donc. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Oh, c'est insupportable. Et quelque chose doit m'arriver par vous deux. Par vous deux. Il y a des visages qui me parlaient tout de suite. Et les vôtres ne me disent rien. Mais alors, pourquoi sommes-nous ensemble ? J'en avais trop dit, allez jusqu'au bout. Mais je n'en sais absolument rien. Il faut le savoir. Si seulement chacun d'entre nous avait le courage de dire... Quoi ? Estelle ? Plaît-il ? Qu'avez-vous fait ? Pourquoi vous ont-ils envoyé ici ? Mais je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Je me demande même si ce n'est pas une erreur. Mais ne souriez pas. Pensez à la quantité de gens qui s'absentent chaque jour. Ils viennent ici par milliers et n'ont affaire qu'à des subalternes, qu'à des employés sans instruction. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'erreur ? Mais ne souriez pas. Et vous dites quelque chose. S'ils se sont trompés dans mon cas, ils ont pu se tromper dans le vôtre. Et dans le vôtre aussi. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas croire que nous sommes ici par erreur ? C'est tout ce que vous avez à nous dire. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je n'ai rien à cacher. J'étais pauvre et orpheline. J'élevais mon frère cadet. Un vieil ami de mon père m'a demandé ma main. Il était riche et bon, j'ai accepté. Et qu'auriez-vous fait à ma place ? Mon frère était malade et sa santé réclamait les plus grands soins. J'ai vécu 6 ans avec mon mari, sans un nuage. Il y a 2 ans, j'ai rencontré l'homme que je devais aimer. Nous nous sommes tout de suite reconnus. Il voulait que je parte avec lui et bon, j'ai refusé. Après ça, j'ai eu ma pneumonie, c'est tout. Peut-être
peut-être qu'on pourrait, au nom de certains principes, me reprocher d'avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute? Certainement non. Et vous? Vous trouvez que ce soit une faute de vivre selon ses principes? Qu'est-ce qui pourrait vous le reprocher? Je dirigeais un journal pacifiste. La guerre éclate. Que faire? Ils avaient tous les yeux fixés sur moi. Osera-t-il? Eh bien, j'ai osé. Je me suis croisé les bras et ils m'ont fusillé. À qui la faute? À qui la faute? Il n'y a pas de faute. Vous êtes... un héros! Et votre femme, garçon? Eh bien quoi? Je l'ai tiré du ruisseau. Vous voyez? Vous voyez? Je vois. Mais pour qui jouez-vous la comédie? Nous sommes entre nous. Entre nous? Entre assassins? Nous sommes en enfer, taisez-vous. Ma petite! Il n'y a jamais d'erreur et on ne donne jamais méchant pour rien! Ah, mais voulez-vous me taire? En enfer! Damné! Damné! Damné mon grossier! Damné la petite sainte! Damné le héros sans reproche! Nous avons eu notre heure de plaisir, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont souffert pour nous jusqu'à la mort et cela nous amusait beaucoup. À présent, il faut payer! Mais est-ce que vous vous tuerez? Oh! Attendez! Attendez, j'ai compris! Je sais pourquoi ils nous ont mis ensemble! Prenez garde à ce que vous allez dire! Ah, oh, vous allez voir comme c'est bête! Bête comme chou! Il n'y a pas de torture physique, n'est-ce pas? Et cependant, nous sommes en enfer! Et personne ne va venir, personne! Nous allons rester seuls, ensemble, jusqu'au bout! C'est bien ça? Mais en somme, il y a quelqu'un qui manque ici. C'est le bourreau. Je le sais bien. Eh bien, ils ont réalisé une économie de personnel, voilà tout. Ce sont les clients qui font le service eux-mêmes, comme dans les restaurants coopératifs. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Le bourreau, c'est chacun de nous pour les deux autres. Je ne serai pas votre bourreau. Je ne vous veux qu'un mal. Et je n'ai rien à faire avec vous. Rien. C'est tout à fait simple. Alors voilà. Chacun dans son coin, c'est la parade. Vous ici, et moi là. Et du silence, pas un mot. Ce n'est pas difficile, n'est-ce pas? Chacun de nous a assez à faire avec lui-même. Je crois que je pourrais rester 10 000 ans sans parler. Il faut que je me taise? Oui. Et nous nous serons sauvés. Se taire, regarder en soi, ne jamais lever la tête. C'est d'accord? D'accord. D'accord. Alors adieu. Dans la rue des blancs manteaux.
Dans la rue des blancs manteaux, le bourreau s'est levé tôt. C'est qu'il avait du boulot. Faut qu'il coupe des généraux, des évêques, des amiraux. Dans la rue des blancs manteaux. Dans la rue des blancs manteaux sont venues des dames comme il faut, avec de beaux affutiaux, mais la tête leur faisait défaut. Elle avait roulé de son haut la tête avec le chapeau dans le ruisseau des blancs manteaux. Monsieur, monsieur, avez-vous un miroir? Oh, un miroir, une glace de poche, n'importe quoi. Mais si vous me laissez seule, procurez-moi au moins une glace. Moi, j'ai une glace dans mon sac. Je ne l'ai plus. Ils ont dû me l'ôter au greffe. Comme c'est ennuyeux. Qu'est-ce que vous avez? Je me sens drôle. Ça ne vous fait pas cet effet-là, à vous? Quand je ne me vois pas, j'ai beau me tâter, je me demande si j'existe pour de vrai. Vous avez de la chance. Moi, je me sens toujours de l'intérieur. De l'intérieur. Tout ce qui se passe dans les têtes est si vague, ça m'endort. Il y a 6 grandes glaces dans ma chambre à coucher. Je les vois. Je les vois. Mais elle ne me voit pas. Elle reflète la causeuse, le tapis, la fenêtre. Comme c'est vide une glace où je ne suis pas. Quand je parlais, je m'arrangeais toujours pour qu'il y en ait une où je me vois parler. Je parlais et je me voyais parler. Je me voyais comme les gens me voyaient et ça me tenait éveillée. Mon rouge. Je suis sûre que je l'ai mis de travers. Mais je ne peux pourtant pas rester sans glace toute l'éternité. Voulez-vous que je vous serve de miroir? Venez. Je vous invite chez moi. Asseyez-vous sur mon canapé. Mais ne nous occupons pas de lui. Nous allons nous faire du mal. C'est vous qui l'avez dit. Est-ce que j'ai l'air de vouloir vous nuire? On ne sait jamais. C'est toi qui me feras du mal. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il faut souffrir autant que ce soit par toi. Allez, viens. Assieds-toi. Approche-toi. Encore. Regarde dans mes yeux. Est-ce que tu t'y vois? Je suis toute petite. Je me vois très mal. Bah, je te vois, moi. Toute entière. Pose-moi des questions. Aucun miroir ne sera plus fidèle. Est-ce que j'ai bien mis mon rouge à lèvres?
Fais voir. Pas trop bien. J'en étais sûre. Heureusement que personne ne m'a vue. Bon, je recommence. C'est mieux. Suis bien le contour des lèvres. Attends, je vais te guider. Là. C'est bien. Aussi bien que tout à l'heure quand je suis entrée? C'est mieux. Plus lourd, plus cruel. Ta bouche d'enfer. Et c'est bien? Que c'est agaçant, je ne peux plus juger par moi-même. Vous me jurez que c'est bien? Tu veux pas qu'on se tutoie? Tu me jures que c'est bien? Tu es belle. Mais... avez-vous du goût? Avez-vous mon goût? Mais j'ai ton goût puisque tu me plais. Regarde-moi bien. Souris-moi. Je ne suis pas laide non plus. Est-ce que je ne vaux pas mieux qu'un miroir? Je ne sais pas. Vous m'impressionnez. Mon image dans les glaces était apprivoisée. Je la connaissais si bien. Je vais sourire. Mon sourire ira au fond de vos prunelles et Dieu sait ce qu'il va devenir. Mais qui t'empêche de m'apprivoiser? Tu veux décidément pas me tutoyer? J'ai de la peine à tutoyer les femmes. Plus particulièrement les employés des postes, je suppose. Qu'est-ce que tu as là en bas de la joue? Une plaque rouge? Une plaque rouge? Où ça? Ah, je suis le miroir aux alouettes, ma petite alouette. Je te tiens. Il n'y a pas de rougeur, pas la moindre. Hein? Si le miroir se mettait à mentir, ou si je fermais les yeux et si je refusais de te regarder, que ferais-tu de toute cette beauté? N'aie pas peur. Il faut que je te regarde. Mes yeux resteront grands ouverts et je serai gentille. Tout à fait gentille. Mais tu me diras-tu? Je voudrais qu'il me regarde aussi. Parce que c'est un homme. Vous avez gagné! Mais regardez-la donc! Et ne jouez pas cette comédie, vous n'avez pas perdu un seul mot de ce que nous disions. Vous pouvez le dire. Pas un mot. J'avais beau m'enfoncer les doigts dans les oreilles, vous me bavardiez dans la tête. Allez-vous me laisser à présent? Je n'ai pas affaire à vous. Et à la petite, y avez-vous affaire? Je vous dis de me laisser, il y a quelqu'un qui parle de moi au journal. Et je voudrais écouter. Je me moque de la petite, si cela peut vous tranquilliser. Merci. Je ne voulais pas être grossier. Mufle. Et voilà. Vous avez supplié de vous taire. Mais c'est elle qui a commencé. Elle est venue m'offrir son miroir et je ne lui demandais rien. Rien? Seulement tu te frottais contre lui et tu faisais des mines pour qu'il te regarde. Mais après? Mais êtes-vous folle? Vous ne voyez donc pas où nous allons? Mais taisez-vous! Nous allons nous rasseoir bien tranquillement, nous fermerons les yeux et chacun tâchera d'oublier la présence des autres. Je vous sens jusque dans mes os. Votre silence me crie dans les oreilles. Vous pouvez vous clouer la bouche. Vous pouvez vous couper la langue. Est-ce que vous vous empêcherez d'exister?
arrêterez-vous votre pensée? Je l'entends. Elle fait tic-tac dans mes oreilles. Je sais que vous entendez la mienne. Vous avez beau vous rencogner sur votre canapé. Vous êtes partout. Les sons m'arrivent souillés parce que vous les avez entendus au passage. Vous m'avez volé jusqu'à mon visage. Vous le connaissez, je ne le connais pas. Et elle? Elle? Vous me l'avez volée. Si nous étions seuls, croyez-vous qu'elle oserait me traiter comme elle me traite? Ôtez ses mains de votre figure! Je ne vous lâcherai pas, ce serait trop commode. Vous seriez là, insensible, plongé en vous comme un Bouddha. J'aurais les yeux clos et je sentirais qu'elle vous dédie tous les bruits de sa vie, même les froissements de sa robe. Qu'elle vous envoie des sourires que vous ne voyez pas. Pas de ça! Je veux choisir mon enfer! Je veux vous regarder de tous mes yeux et lutter à visage découvert! C'est bon! Je suppose qu'il fallait en arriver là? Ils nous ont manœuvrés comme des enfants. Ah, s'ils m'avaient logé avec des hommes! Les hommes savent se taire! Mais il ne faut pas trop en demander! Alors, petite, je te plais? Il paraît que tu me faisais de l'œil. Bah, mettons-nous à l'aise. Ne me touchez pas. J'aimais beaucoup les femmes, sais-tu? Et elles m'aimaient beaucoup. Mets-toi donc à l'aise. Nous n'avons plus rien à perdre. De la politesse, mais pourquoi? Des cérémonies, pourquoi entre nous? Tout à l'heure, nous serons nus comme des vers. Ah, mais laissez-moi! Comme des vers. Ah, je vous avais prévenu, je ne vous demandais rien. Rien que la paix et un peu de silence. J'avais mis mes doigts dans les oreilles. Gomez parlait, debout entre les tables. Tous les copains du journal écoutaient, en bras de chemise. J'essayais de comprendre ce qu'ils disaient. C'était pas facile. Les événements de la Terre passent si vite. Est-ce que vous ne pouviez pas vous taire? À présent, c'est fini. Il ne parle plus. Tout ce qu'il pense de moi est rentré dans sa tête. Eh bien, il va falloir que nous allions jusqu'au bout. Nus comme des vers. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Vous le savez. À présent, vous le savez. Tant que chacun de nous n'aura pas avoué pourquoi ils l'ont condamné, nous ne saurons rien. Toi, la blonde, commence. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Ta franchise peut éviter bien des catastrophes. Quand nous connaîtrons nos monstres. Allons? Pourquoi? Je vous dis que j'ignore. Ils n'ont pas voulu me l'apprendre. Je sais, à moi non plus, ils n'ont pas voulu répondre. Mais je me connais. Tu as peur de parler la première? Très bien. Je vais commencer. Je ne suis pas très jolie. Oh, ça va. On sait que vous avez déserté. Allez, c'est ça. Ne parlez jamais de ça. Je suis ici parce que j'ai torturé ma femme, c'est tout. Pendant 5 ans. Bien entendu, elle souffre encore. Ben, la voilà. Chaque fois que je parle d'elle, je la vois. C'est Gomez qui m'intéresse et c'est elle que je vois. Et oui, Gomez. Pendant 5 ans. Dites donc, ils lui ont rendu mes effets. Elle s'est assise près de la fenêtre et a pris mon veston sur ses genoux. Le veston aux 12 trous. Le sang, on dirait de la rouille. Les bords des trous sont roussis. Ah, c'est une pièce de musée. Un veston historique. J'ai porté ça. Mais pleureras-tu? Finiras-tu par pleurer? Je rentrais sous comme un cochon. Je sentais le vin et les femmes. Elle m'avait attendu toute la nuit. Elle ne pleurait pas. Pas un mot de reproche, naturellement.
Ses yeux seulement. Ses grands yeux. Je ne regrette rien. Je paierai, mais je ne regrette rien. Il neige dehors. Mais pleureras-tu ? Enfin voilà. C'est une femme qui avait la vocation du martyr. Pourquoi l'avez-vous fait souffrir ? Parce que c'était facile. Il suffisait d'un mot pour la faire changer de couleur. C'était une sensitive. Je suis très taquin. Alors j'attendais toujours, mais non, pas un mot, pas un reproche. J'avais tiré du ruisseau, comprenez-vous ? Elle passe sa main sur le blouson, sans le regarder. Ses doigts cherchent les trous à l'aveuglette. Mais qu'attends-tu ? Qu'espères-tu ? Je te dis que je ne regrette rien. Enfin voilà. Elle m'admirait trop. Comprenez-vous ça ? Non. On ne m'admirait pas. Oh, tant mieux ! Tant mieux pour vous. Tout cela doit vous paraître abstrait. Eh bien, voici une anecdote. J'avais installé chez moi une mulâtresse. Oh, quelle nuit! Ma femme couchait au premier. Elle devait nous entendre. Elle se levait la première, et comme nous faisions la grasse matinée, elle nous apportait le petit déjeuner au lit. Goujat. Mais oui, le goujat bien aimé. Non, rien, c'est Gomez. Mais il ne parle pas de moi. Un goujat, disiez-vous. Dame, sinon, qu'est-ce que je ferais ici ? Et vous ? Eh bien... J'étais ce qu'ils appellent là-bas une femme damnée. Déjà damnée, n'est-ce pas ? Alors, il n'y a pas eu de grosse surprise. C'est tout ? Non. Il y a aussi cette affaire avec Florence. Mais c'est une histoire de mort. Trois morts. Lui d'abord, ensuite elle et moi. Il ne reste personne là-bas, je suis tranquille. La chambre, simplement. Je vois la chambre, de temps en temps, vide avec les volets clos. Tiens. Ils ont fini par ôter les scellés. Allouée. Elle est allouée. Il y a un écriteau sur la porte. Je vais aller voir. Vous avez bien dit trois. Trois. Un homme et deux femmes ? Oui. Tiens. Et il s'est tué ? Lui ? Oh, il en était bien incapable. Pourtant, c'est pas faute d'avoir souffert. Non, c'est un tramway qui l'a écrasé. La rigolade. J'habitais chez eux. C'était mon cousin. Florence était blonde ? Vous savez, je ne regrette rien, mais ça ne m'amuse pas tant de vous raconter cette histoire. Allez, vous l'avez dégoûté de lui. Petit à petit. Un mot de ci, de là. Par exemple, il faisait du bruit en buvant. Il soufflait par le nez dans son verre. De rien. Oh, c'était un pauvre type, vulnérable. Pourquoi souriez-vous ? Parce que moi, je ne suis pas vulnérable. C'est à voir. Elle l'a vu par mes yeux.
Je me suis glissée en elle, petit à petit. Et pour finir, elle m'est restée sur les bras. Nous avons pris une chambre à l'autre bout de la ville. Alors ? Alors, il y a eu ce tramway. Je lui disais tous les jours, « Eh bien, ma petite, nous l'avons tuée. » Je suis méchante. Oui, bon, moi aussi. Oh non. Non, vous n'êtes pas méchant. Et quoi ? C'est autre chose. Et quoi ? Je vous le dirai plus tard. Moi, je suis méchante. Ça veut dire que j'ai besoin de la souffrance des autres pour exister. Une torche. Une torche dans les cœurs. Quand je suis toute seule, je m'éteins. 6 mois durant, j'ai flambé dans son cœur. J'ai tout brûlé. Elle s'est levée une nuit. Elle est allée ouvrir le robinet du gaz. Sans que je m'en doute. Et puis elle s'est recouchée près de moi. Voilà. Quoi ? Rien ! Ça n'est pas propre. Ben non, ça n'est pas propre. Après. Bah, vous avez raison. À toi ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je vous ai dit que je n'en savais rien. J'ai beau m'interroger... Bon, eh bien, on va t'aider. Ce type au visage fracassé, qui est-ce ? Quel type ? Tu le sais fort bien. Celui dont tu avais peur quand tu es entré. C'est un ami. Et pourquoi avais-tu peur de lui ? Vous n'avez pas le droit de m'interroger. Il s'est tué à cause de toi ? Mais non, vous êtes folle. Alors pourquoi te faisait-il peur ? Il s'est lâché un coup de fusil dans la figure, hein ? C'est ça qui lui a emporté la tête. Taisez-vous. Un coup de fusil à cause de toi. Taisez-vous. À cause de toi. À cause de toi. Taisez-vous, mais laissez-moi tranquille. Vous me faites peur. Je veux m'en aller. Enfin, attends, bonjour. Je veux m'en aller. Seulement, la porte est fermée de l'extérieur. Vous êtes ignoble. Ignoble, parfaitement. Alors ? Donc le type s'est tué à cause de toi. C'était ton amant ? Bien entendu, c'était son amant. Et il a voulu l'avoir pour lui tout seul. Ça n'est pas vrai ? Il dansait le tango comme un professionnel. Mais il était pauvre, j'imagine. On te demande s'il était pauvre. Oui. Il était pauvre. Puis, tu avais ta réputation à garder. Un jour, il est venu, il t'a supplié et tu as rigolé. Hein ? Hein ? Tu as rigolé ! C'est pour ça qu'il s'est tué ! C'est avec ces yeux-là que tu regardais Florence ? Oui. Vous n'y êtes pas du tout. Il voulait me faire un enfant. Là, vous êtes content ? Et toi, tu ne voulais pas ? Non. L'enfant est venu quand même. J'ai été passer 5 mois en Suisse. Personne n'a rien su. C'était une fille. Roger était près de moi quand elle est née. Ça l'amusait d'avoir une fille. Pas moi. Après ? Il y avait un balcon au-dessus d'un lac.
J'ai apporté une grosse pierre. Roger criait. Estelle, je t'en prie, je t'en supplie. Oh, je le détestais, il a tout vu. Il s'est penché. Et il a vu des ronds sur le lac. Et après ? C'est tout. Je suis revenue à Paris. Et lui, il a fait ce qu'il a voulu. Il s'est fait sauter la tête. Bah oui ! Ça n'en valait pas la peine. Mon mari ne s'est jamais douté de rien. Inutile. Ici, les larmes ne coulent pas. Oh, je suis lâche. Je suis lâche. Si vous saviez comme je vous hais. Oh, mon pauvre petit. L'enquête est finie. Pas la peine de garder cette gueule de bourreau. De bourreau. J'aimerais pouvoir me regarder dans une glace. Fait chaud. Oh, pardon. Vous pouvez rester en bras de chemise, hein, à présent. Oui. Faut pas m'en vouloir, Estelle. Je ne vous en veux pas. Et à moi? Tu m'en veux, à moi? Oui. Bien, garçon, nous voici nus comme des vers, y voyez-vous plus clair? Je ne sais pas. Peut-être un peu plus clair. Est-ce que nous pourrions pas essayer de nous aider un peu les uns les autres? Je n'ai pas besoin d'aide. Inès, ils ont brouillé tous les fils. Si vous faites le moindre geste, si vous levez la main pour vous éventer, Estelle et moi, nous sentons la secousse. Aucun de nous ne peut s'en sortir seul. Il faut que nous nous perdions ensemble, ou que nous tirions d'affaires ensemble. Choisissez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont loué. Ils l'ont loué. Les fenêtres sont grandes ouvertes. Un homme est assis sur mon lit. Ils l'ont loué. Entrez! Entrez, ne vous gênez pas! C'est une femme. Elle va vers lui et lui met les mains sur les épaules. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour allumer? On n'y va plus! Vont s'embrasser. Cette chambre est à moi! Elle est à moi! Pourquoi n'allume-t-il pas? Je ne peux plus les voir. Qu'est-ce qu'il chuchote? Est-ce qu'il va la caresser sur mon lit? Elle lui dit qu'il est midi, qu'il fait grand soleil. Alors, c'est que je deviens aveugle. Fini. Je ne vois plus. Je n'entends plus. Je suppose que j'en ai fini avec la terre. Plus d'alibi. Je me sens vide. À présent, je suis tout à fait morte.
tout entière ici. Vous disiez ? Vous parliez de m'aider, je crois. Oui. À quoi ? À déjouer leur ruse. Et moi, en échange ? Vous m'aiderez ? Faudrait peu de choses, Inès. Tout juste un peu de bonne volonté. La bonne volonté. Vous voulez-vous que j'en prenne ? Je suis pourrie. Et moi ? Tout de même, si nous essayons. Je suis sèche. Je ne peux ni recevoir ni donner. Comment voulez-vous que je vous aide ? Une branche morte. Le feu va s'y mettre. Florence était blonde. Est-ce que vous savez que cette petite sera votre bourreau ? Peut-être bien que je m'en doute. C'est par elle qu'ils vous auront. En ce qui me concerne, je ne lui accorde aucune attention. Si de votre côté, vous... Quoi ? C'est un piège, Inès. Il vous guette pour savoir s'il vous y laisserait prendre. Je sais. Et vous ? Vous êtes un piège ? Croyez-vous qu'ils n'ont pas prévu vos paroles ? Et qu'ils ne s'y cachent pas des trappes que nous ne pouvons voir ? Mais tout est piège. Mais qu'est-ce que ça me fait ? Moi aussi, je suis un piège. Un piège pour elle. C'est peut-être moi qui l'attraperai. Mais vous n'attraperez rien du tout. Nous nous courons après comme des chevaux de bois, sans jamais nous rejoindre. Vous pouvez croire qu'ils ont tout arrangé. Laissez tomber, Inès. Ouvrez les mains, lâchez prise. Sinon, vous trouverez notre malheur à tous trois. Mais est-ce que j'ai une tête à lâcher prise ? Je sais ce qui m'attend. Je vais brûler. Je brûle. Et je sais qu'il n'y aura pas de fin. Je sais tout. Croyez-vous que je lâcherai prise ? Je l'aurai. Elle vous verra par mes yeux, comme Florence voyait l'autre. Mais qu'est-ce que vous venez me parler de votre malheur ? Je vous dis que je sais tout. Je ne peux même pas avoir pitié de moi. Un piège. Un piège. Mais naturellement, je suis prise au piège. Mais qu'est-ce que ça me fait ? Et puis tant mieux s'ils sont contents. Moi, je peux avoir pitié de vous. Regardez-moi. Nous sommes nus. Nus jusqu'au cœur. Et je vous connais jusqu'au cœur. C'est un lien. Croyez-vous que je voudrais vous faire du mal ? Je ne me plains pas, je ne regrette rien. Moi aussi, je suis sec. Mais de vous, je peux avoir pitié. Ne me touchez pas ! Je déteste qu'on me touche ! Et gardez votre pitié. Allons, garçon. Il y a aussi beaucoup de pièges pour vous dans cette chambre. Pour vous, préparés pour vous. Vous feriez mieux de vous occuper de vos affaires. Si vous nous laissez tout à fait tranquilles, la petite et moi, je ferai en sorte de ne pas vous nuire. C'est bon. Au secours, garçon! Que me voulez-vous? Moi, vous pouvez m'aider. Adressez-vous à elle. Oh, je vous en prie, garçon. Vous avez promis. Vous avez promis. Vite, vite. Je ne veux pas rester seule. Oh. Olga l'a emmenée au dancing. Qui a-t-elle emmenée ? Pierre. Ils dansent ensemble. Qui est Pierre ? Un petit nom. Il m'appelait son Obi. Son cristal. Elle l'a emmené au dancing. Tu l'aimes ? Il se rasseye. Elle est à bout de souffle. Pourquoi danse-t-elle ? À moins que ce soit pour se faire maigrir. Bien sûr que non. Bien sûr que non, je ne l'aimais pas. Il a 18 ans. Et je ne suis pas une ogresse, moi. Alors laisse-les, qu'est-ce que ça peut te faire ? Il était à moi. Rien n'est plus à toi sur la terre. Il était à moi. Ouais. Il était.
Olga peut le toucher, elle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle peut lui tenir les mains, lui fronder les genoux. Pousse contre lui son énorme poitrine. Elle lui souffle dans la figure. Petit pousset. Pauvre petit pousset. Qu'attends-tu pour lui éclater de rire? Il m'aurait suffi d'un regard. Elle n'aurait jamais osé. Est-ce que je ne suis vraiment plus rien? Plus rien. Il n'y a plus rien de toi sur la terre. Tout ce qui t'appartient est ici. Veux-tu le coupe-papier, le bronze de Barbe Dienne? Le canapé bleu est à toi. Et moi, mon petit, moi? Moi, je suis à toi. Pour toujours. Ah. À moi? Eh bien, lequel de vous deux oserait m'appeler son eau vive? On ne vous trompe pas, vous autres. Vous savez que je suis une ordure. Pense à moi, Pierre. Pense à moi. Ne pense qu'à moi. Défends-moi. Tant que tu penses, mon Ovi, ma chère Ovi, je ne suis ici qu'à moitié, je ne suis qu'à moitié coupable. Je suis au vif là-bas près de toi. Elle est rouge comme une tomate. Mais voyons, c'est impossible. Nous avons 100 fois ri d'elle ensemble. Cet air-là. Je l'aimais tant. C'est ça, Louise Blues! Eh bien, danse. Danse. Garçon, vous vous amuseriez si vous pouviez la voir. Elle ne saura donc jamais que je la vois. Mais je te vois. Je te vois avec ta coiffure défaite et ton visage chaviré. Mais je vois que tu lui marches sur les pieds. Hein. Juste à mourir de rire. Allons, allons. Plus vite. Il la tire, il la pousse. Mais c'est indécent. Hein. Mais plus vite. Il me disait, vous êtes si légère. Allons, allons, on mesure. Je te dis que je te vois. Elle s'en moque. Elle danse à travers mon regard. Notre chère Estelle. Quoi, notre chère Estelle? Oh, tais-toi! Tu n'as même pas versé une larme aux obsèques! Elle lui a dit, notre chère Estelle. Elle a tout bête lui parler de moi. Allons, allons! En mesure! Oh, bah, c'est pas elle qui pourrait parler et danser à la fois! Mais qu'est-ce que...
Non. Non. Ne lui dis pas. Je l'abandonne. Garde-le. Emporte-le. Fais-en ce que tu voudras, mais ne lui dis pas! Elle lui a tout dit, garçon. Elle lui a tout raconté. Oh, Roger, le voyage en Suisse, l'enfant. Notre chère Estelle n'était pas... Non, non, en effet, je n'étais pas... Il branle la tête d'un air triste, mais on ne peut pas dire que la nouvelle l'ait bouleversée. Ah... Garde-le à présent. Ce ne sont pas ses longs cils ni ses airs de fille que je te disputerai. Notre chère Estelle. Oh, dansez! Dansez, voyons! En mesure! Une, deux. Oh, je donnerai tout à l'heure pour revenir sur terre un instant, un seul instant, et pour danser! Jamais plus. La terre m'a quitté. Garçon, regarde-moi. Prends-moi dans tes bras. Garçon! Adressez-vous à elle! Ne vous en allez pas! Est-ce que vous êtes un homme? Oh, mais répondez-moi, regardez-moi! Est-ce donc si pénible? J'ai des cheveux d'or. Et après tout, quelqu'un s'est tué pour moi. Oh, je vous supplie, il faut bien que vous regardiez quelque chose. Si ce n'est pas moi, ce sera le bronze, la table ou les canapés. Je suis tout de même plus agréable à voir. Écoute, je suis tombée de leur cœur comme un petit oiseau tombe du nid. Ramasse-moi, prends-moi sur ton cœur. Tu verras comme je serai gentille. Adressez-vous à elle. À elle? Mais elle ne compte pas, c'est une femme. Je ne compte pas. Le petit oiseau, petite alouette, il y a beau temps que tu as l'abri dans mon cœur. N'aie pas peur. Je te regarderai sans répit, sans un battement de paupières. Tu vivras dans mon regard comme une paillette dans un rayon de soleil. Un rayon de soleil? Oh, fichez-moi donc la paix. Vous m'avez déjà fait le coup tout à l'heure. Et vous avez bien vu qu'il a raté. Estelle! Mon eau vive! Mon cristal! Votre cristal? Ces bouffons. Qui pensait vous tromper? Allons, tout le monde sait que j'ai balancé l'enfant par la fenêtre. Le cristal est en miettes sur la terre.
Et je m'en moque. Je ne suis plus qu'une peau. Et ma peau n'est pas pour vous. Viens ! Tu sauras ce que tu voudras ! Eau vive ! Eau sale ! Tu te retrouveras au fond de mes yeux tel que tu le désires ! Lâchez-moi ! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me lâches ? Garçon, vous me le paierez ! Alors tu veux un homme ? Un homme ? Non. Toi ? Pas d'histoire, n'importe qui ferait l'affaire. Je me suis trouvé là, c'est moi, bon. Je n'ai rien pour te plaire, tu sais. Je ne suis pas un petit niais et je ne danse pas le tango. Je te prendrai comme tu es. Je te changerai peut-être. J'en doute. Je serai distrait. J'ai d'autres affaires en tête. Quelles affaires ? Ça ne t'intéresserait pas. Je m'assierai sur ton canapé et j'attendrai que tu t'occupes de moi. Chienne ! Chienne ! À plat ventre ! À plat ventre ! Il est même pas beau ! Ne l'écoute pas. Elle n'a pas d'yeux. Elle n'a pas d'oreilles. Elle ne compte pas. Je te donnerai ce que je pourrai. Ça n'est pas beaucoup. Je t'aimerai pas. Je te connais trop. Est-ce que tu me désires ? Oui. C'est tout ce que je veux. Alors... Estelle ! Garçon ! Mais vous perdez le sens, mais je suis là, moi ! Je le vois bien, et après ? Devant moi ? Mais vous ne pouvez pas ! Pourquoi ? Je me déshabillais bien devant ma femme de chambre. Lâchez-la ! Lâchez-la ! Ne la touchez pas avec vos seules mains ! Je ne suis pas un gentilhomme. Je n'aurai pas peur de connaître une femme. Mais vous m'aviez promis, garçon, vous m'aviez promis. C'est vous. Je ne vous en sais plus, vous m'aviez promis. J'ai rompu le pacte. Faites ce que vous voudrez. Vous êtes les plus forts. Mais rappelez-vous, je suis là et je vous regarde. Je ne vous quitterai pas des yeux, garçon. Il faudra que vous l'embrassiez sous mon regard. Je vous hais. Je vous hais! Aimez-vous, aimez-vous. Nous sommes en enfer. J'aurai mon tour. Donne-moi ta bouche. Je t'ai dit de ne pas faire attention à elle. Il s'agit bien d'elle. Gomez est au journal. Ils ont ouvert les fenêtres. C'est donc l'hiver. 6 mois. Il y a 6 mois qu'ils m'ont... Je t'avais prévenu qu'il m'arriverait d'être distrait. Ils grelottent. Ils ont gardé leur veston. C'est drôle qu'ils aient si froid là-bas. Et moi, j'ai si chaud. Cette fois-ci, c'est de moi qu'ils parlent. Ça va durer longtemps. Dis-moi au moins ce qu'il raconte. Rien. Il raconte rien. C'est un salaud, voilà tout. Un beau salaud. Bon, revenons-en. M'aimeras-tu ? Qui sait ? Auras-tu confiance en moi ? Quelle drôle de question. Tu seras constamment sous mes yeux. Et ce n'est pas avec Inès que tu me tromperas. Ah, évidemment. Va, va, dis ce que tu veux. Je ne suis pas là pour me défendre. Estelle, il faut me donner ta confiance.
confiance. Que d'embarras. Tu as déjà ma bouche, mes bras, mon corps entier. Et tout pourrait être aussi simple. Ma confiance. Je n'ai pas de confiance à donner. Tu me gênes horriblement. Il faut que tu aies fait un bien mauvais coup pour me réclamer ainsi ma confiance. Ils m'ont fusillé, Je sais, tu avais refusé de partir. Ah, je n'avais pas tout à fait refusé. Ah, il parle bien. Il blâme comme il faut. Mais il ne dit pas ce qu'il faut faire. Allais-je entrer chez le général et lui dire « Mon général, je ne pars pas ?» Quelle sottise! Mais il m'aurait coffré. Je voulais témoigner, moi. Témoigner. Je ne voulais pas qu'ils étouffent ma voix. J'ai pris le train et ils m'ont passé à la frontière. Où voulais-tu aller? À Mexico. Je comptais y ouvrir un journal pacifiste. Eh bien, dis quelque chose! Que veux-tu que je te dise? Tu as bien fait puisque tu ne voulais pas te battre. Oh, mon chéri, mais je ne peux pas deviner ce qu'il faut te répondre. Mon trésor, il faut lui dire qu'il s'est enfui comme un lion. Car il s'est enfui, ton gros chéri. C'est ce qu'il taquine. Enfui, parti, appelez-le comme vous voudrez. Mais il fallait bien que tu t'enfuis. Si tu étais resté, il t'aurait mis la main au collet. Mais bien sûr. Estelle, est-ce que je suis un lâche? Je n'en sais rien, mon amour. Je ne suis pas dans ta peau. C'est à toi de décider. Je ne décide pas. Et enfin, tu dois bien te rappeler. Tu devais avoir des raisons pour agir comme tu l'as fait. Bah oui. Eh bien? Est-ce que ce sont les vraies raisons? Oh, comme tu es compliqué. Je voulais témoigner. Témoigner. Mais est-ce que ce sont les vraies raisons? Ah. Voilà la question. Est-ce que ce sont les vraies raisons? Tu raisonnais, tu voulais pas t'engager à la légère. Mais la peur, la honte et toutes ces saletés qu'on cache, ce sont aussi des raisons. Allons, cherche, interroge-toi! Mais tais-toi! Crois-tu que j'ai attendu tes conseils? J'ai marché dans ma cellule, la nuit et le jour, de la fenêtre à la porte, de la porte à la fenêtre. Je me suis éplié, je me suis suivi à la trace. Il me semble que j'ai passé une vie entière à m'interroger. Et puis quoi, l'acte était là. J'ai pris le train. Voilà ce qui est sûr. Mais pourquoi? Pourquoi? À la fin, j'ai pensé... C'est ma mort qui décidera. Si je meurs proprement, j'aurai prouvé que je ne suis pas un lâche. Et comment es-tu mort, garçon? Mal. Bon, c'était une simple défaillance corporelle. Je n'en ai pas honte. Seulement, tout est resté en suspens pour toujours. Viens là, toi. Regarde-moi. J'ai besoin que quelqu'un me regarde pendant qu'il parle de moi sur Terre. J'aime les yeux verts. Oh, les yeux verts, voyez-vous ça? Et toi, Estelle, aimes-tu les lâches? Si tu savais comme ça m'est égal, lâche ou non, pourvu qu'il embrasse bien. Ils donnent des lignes de la tête en tirant sur leur cigare. Ils pensent garçon est un lâche. Oh, mollement, faiblement, histoire de penser quelque chose. Garcet est un lâche. Voilà ce qu'ils ont décidé, eux. Mes copains. Dans 6 mois, ils diront « Lâche comme garçon !» Vous avez de la chance, vous deux. Plus personne ne pense à vous sur Terre. Moi, j'ai la vie plus dure. Et votre femme, garçon? Eh bien quoi, ma femme? Elle est morte. Morte? J'ai dû oublier de vous le dire. Elle est morte tout à l'heure, il y a 2 mois environ. De chagrin? Bien naturellement, de chagrin. De quoi voulez-vous qu'elle soit morte? Mais allons, tout va bien. La guerre est finie, ma femme est morte, et je suis rentré dans l'histoire! Mon chéri, regarde-moi, mon chéri. Touche-moi.
Touche-moi. Mais mets ta main sur ma gorge. Laisse ta main. Laisse-la. Écoute. Ils vont mourir un à un là-bas. Qu'importe ce qu'ils pensent. Oublie-les. Il n'y a plus que moi. Mais ils ne m'oublient pas, eux. Ils mourront, mais d'autres viendront qui prendront leur relève. Je leur ai laissé ma vie entre les mains. Oh, tu penses trop. Mais que faire d'autre? Avant, j'agissais. Ah, revenir un seul jour au milieu d'eux. Quel démenti. Mais je suis hors jeu. Ils font le bilan sans s'occuper de moi. Et ils ont raison parce que je suis mort. Fais comme un rat. Je suis tombé dans le domaine public. Garçon. Tu es là? Alors écoute. Tu vas me rendre service. Non, ne recule pas. Je sais, cela te semble drôle qu'on puisse te demander du secours. Tu n'as pas l'habitude. Mais si tu voulais, si tu faisais un effort, je suis sûr que nous pourrions nous aimer pour de bon. Vois, ils sont 1000 à répéter que je suis un lâche. Mais qu'est-ce que c'est que 1000? S'il y avait une âme, une seule, pour affirmer de toutes ses forces que je n'ai pas fui, que je ne peux pas avoir fui, que j'ai du courage, que je suis propre, je suis sûr que je serai sauvé. Veux-tu croire en moi? Tu me serais plus cher que moi-même. Idiot. Cher idiot. Penses-tu que je pourrais aimer un lâche? Mais tu disais que... J'aime les hommes, garçon. Les vrais hommes, à la peau dure et aux mains fortes. Tu n'as pas le menton d'un lâche. Tu n'as pas la voix d'un lâche. Tu n'as pas la bouche d'un lâche. Tu n'as pas les cheveux d'un lâche. Et c'est pour ta bouche, ta voix et tes cheveux que je t'aime. C'est vrai. C'est bien vrai. Alors je les défie tous, ceux de là-bas et ceux d'ici. Estelle, nous sortirons de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ne crois pas un seul mot de ce qu'elle dit. Comment peux-tu être si naïf? Estelle, je suis la lâche. Mais si tu savais ce qu'elle s'en moque. Est-ce que c'est vrai? Estelle, est-ce que c'est vrai? Je ne comprends rien à toutes ces histoires. C'est agaçant. Écoute, même si tu étais un lâche, je t'aimerais. Là, ça ne te suffit pas? Vous me dégoûtez. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais. Bah, tu n'iras pas loin, la porte est fermée. Il faudra bien qu'ils l'ouvrent. Garçon! Oh, n'aie pas peur, la scène était détraquée. Je vous dis qu'ils l'ouvriront. Je ne peux plus vous supporter! Je ne peux plus! Va-t'en, tu me dégoûtes encore plus qu'elle! Je ne veux pas me noyer dans tes yeux! Tu es moite! Tu es molle! Tu es une pieuvre marécage! Mais ouvrirez-vous! Garçon, je t'en prie! Je ne te parlerai plus! Je te laisserai tout à fait tranquille! Mais ne pars pas! Inès a sorti ses griffes et je ne veux plus rester seule avec elle! Mais débrouille-toi! Je ne t'ai pas demandé de venir! Oh, lâche! Lâche, lâche, lâche! C'est bien vrai que t'es un lâche! Eh bien, mon alouette, tu n'es pas contente? Tu m'as craché à la figure pour lui plaire et nous nous sommes brouillés à cause de lui. Mais il s'en va, ne trouve pas fête. Il va nous laisser entre femmes! Oh, tu n'y gagnerais rien du tout! Cette porte s'ouvre, je m'enfuis! Mais où? N'importe où! Le plus loin de toi possible! Ouvrez! Mais ouvrez donc! J'accepte tout! Les brodequins, les tenailles, le plomb fondu, les pincettes, le marteau, tout ce qui brûle, tout ce qui déchire. Je veux souffrir pour de bon. Plutôt sans morsure, plutôt le fouet, le vitriol que cette souffrance de tête, ce fantôme de souffrance qui frôle, qui caresse, qui ne fait jamais assez mal. Mais ouvrirez-vous?
Eh bien, garçon, allez-vous-en. Je me demande pourquoi cette porte est ouverte. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Vite, vite! Je n'en irai pas. Et toi, Estelle? Alors lequel? Lequel des trois? Mais la voie est libre! Qui nous retient? Ah, c'est à mourir de rire! Nous sommes inséparables? Inséparables? Ah! Aide-moi, garçon! Aide-moi, non. Vite! Non! Très gros d'or, et ferme-moi la porte de sur elle! Non, Estelle, non! Non, non, garde-moi avec toi, ne me jette pas dans le couloir, non! Lâche-la! Ah, oh, mais quel fou, elle te hait! Non. C'est à cause d'elle que je suis restée! À cause de moi? Eh bien, fermez donc cette porte, il fait 10 fois plus chaud depuis qu'elle est ouverte. À cause de moi? Oui. Tu sais ce que c'est qu'un lâche, toi? Oui, je le sais. Tu sais ce que c'est que le mal, la honte, la peur? Il y a eu des jours où tu t'es vu jusqu'au cœur. Et ça te cassait bras et jambes. Et le lendemain, tu ne savais plus que penser. Tu n'arrivais plus à déchiffrer la révélation de la veille. Ouais, tu connais le prix du mal. Et si tu dis que tu sais ce que c'est qu'un lâche, c'est ta connaissance de cause, hein? Oui. C'est toi que je dois convaincre. Tu es de ma race. T'imaginais-tu que j'allais te laisser? Croyais-tu que j'allais te laisser ici triomphante, avec toutes ces pensées dans la tête? Toutes ces pensées qui me concernent. Tu veux vraiment me convaincre? Je ne peux plus rien d'autre. Je ne les entends plus, tu sais. C'est sans doute qu'ils en ont fini après moi. Fini. Affaire classée. Je ne suis plus rien sur terre. Même plus un lâche. Inès, nous voilà seuls. Il n'y a plus que vous deux pour penser à moi. Elle ne compte pas. Mais toi, toi qui me hais, si tu me crois, tu me sauves. Ce ne sera pas facile. Regarde-moi. J'ai la tête dure. J'y mettrai le temps qu'il faudra. Oh, tu as tout le temps. Tout le temps. Écoute, chacun son but, n'est-ce pas? Moi, je me foutais de l'argent et des femmes. Je voulais être un homme, un dur. J'ai tout misé sur le cheval. Est-ce que c'est possible d'être un lâche quand on a choisi les chemins les plus dangereux? Peut-on juger une vie sur un seul acte? Mais pourquoi pas? Tu as rêvé 30 ans que tu avais du cœur. Et tu te passais 1000 petites faiblesses parce que tout est permis aux héros. Comme c'était commode. Et puis, à l'heure du danger, on t'a mis au pied du mur et tu as pris le train pour Mexico. Je n'ai pas rêvé cet héroïsme. Je l'ai vécu. Prouve-le. Prouve que ce n'était pas un rêve. Seuls nos actes décident de ce qu'on a voulu. Je suis mort trop tôt. On ne m'a pas laissé le temps de faire mes actes. On meurt toujours trop tôt ou trop tard. Et cependant, la vie est là, terminée, le trait est tiré. Il faut faire la somme. Tu n'es rien d'autre que ta vie. Vipère, tu as réponse à tout. Allons, allons. Mais ne perds pas courage. Il doit être facile de me persuader. Cherche des arguments. Fais un effort. Eh bien. Eh bien. Je t'avais dit que tu étais vulnérable, comme tu vas payer à présent. Tu es un lâche, garçon, un lâche, parce que je le veux. Je le veux, tu entends? Je le veux. Et pourtant, vois comme je suis faible, un souffle. Je ne suis rien que le regard qui te voit
que cette pensée incolore qui te pense. Oh, elle s'ouvre ses grosses mains d'homme. Mais qu'espères-tu? On n'attrape pas les pensées avec des mains. Ah. Allons, tu n'as pas le choix, il faut me convaincre. Je te tiens. Garçon. Quoi? Venge-toi. Mais comment? Embrasse-moi, tu l'entendras chanter. C'est pourtant vrai, Inès. Tu me tiens, mais je te tiens aussi. Lâche! Lâche! Va te faire consoler par les femmes! Oh, chante, Inès, chante! Oh, le beau couple! Si tu voyais sa grosse patte posée à plat sur ton dos, froissant la chair et l'étoffe, il a les mains moites, il transpire, il laissera une marque bleue sur ta robe! Oh, serre-moi plus fort contre toi, garçon, elle en crèvera! Oh, oui, serre-la! Serre-la bien fort, elle a besoin d'un homme, tu peux le croire! D'un bras d'homme autour de sa taille, d'une odeur d'homme, d'un désir d'homme dans des yeux d'homme! Oh, mais pour le reste, elle te dirait que tu es Dieu le Père si ça pouvait te faire plaisir! Oh, ne l'écoute pas! Prends ma bouche. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Fais ce qu'on te demande! Garçon le lâche! Tiens dans ses bras, est-elle l'infanticide? Garçon le lâche l'embrassera-t-il? Oh, les paris sont ouverts! Lâche! Lâche! Je te vois! À moi seul, je suis une foule! La foule! La foule, garçon! Tu l'entends? Lâche! 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 Oh, je ne te lâcherai pas, moi! En vain, tu me fuis! Mais que vas-tu chercher sur ses lèvres? L'oubli? Mais je ne t'oublierai pas, moi! C'est moi qu'il faut convaincre! Moi! Tu vois, Estelle, il desserre son étreinte. Il est docile comme un chien. Tu ne l'auras pas. Il fera donc jamais nuit. Jamais. Tu me verras toujours. Toujours. Le bronze. Eh bien, voici le moment. Le bronze est là. Je le contemple. Et je comprends que je suis en enfer. Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces regards sur moi, tous ces regards qui me mangent. Vous n'êtes que deux. Je me croyais beaucoup plus nombreuse. Alors c'est ça, l'enfer. Je n'aurais jamais cru. Vous vous rappelez? Le soufre, le bûcher, le grill? Quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Mon amour. Laisse-moi. Elle est entre nous, je ne peux pas t'aimer quand elle me voit. Ah. Eh bien, elle ne nous verra plus. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle! Tu sais bien que je suis morte. Morte? Morte! 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 Ni le couteau, ni la corde, ni le poison. C'est déjà fait, comprends-tu? Et nous sommes ensemble. Pour toujours. Pour toujours. Dieu que c'est drôle, pour toujours. Pour toujours. Eh bien, continuons.